Bonjour à tous, j'ai lancé un objet brillant avec le lancement du nouveau programme 66 pour les femmes cibles et boost. Et je voulais pas que cet objet soit seulement brillant, je voulais aussi que vous puissiez le comprendre et que cet objet soit très clair. Ce que j'appelle un objet brillant, souvent c'est vraiment une publicité où perdez 5 kilos en 3 mois. Voilà, c'est un objet qui brille et du coup on est attiré par cet objet qui brille. Et le programme 66, c'est un petit peu plus profond que ça, donc je voulais pas que ce soit que ce programme soit uniquement en fait tout simplement un objet brillant. Donc si vous rentrez dans ce programme, alors comme je dis toujours, 5 kilos, pourquoi je vous dis ça? Parce que 5 kilos ce n'est pas un objectif, c'est un moyen d'atteindre en fait un objectif de vie, un objectif familial, un objectif professionnel. C'est un moyen de vivre plus longtemps, d'être en meilleure santé, c'est un moyen d'être plus concentré, c'est un moyen de pouvoir jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants sans être à la traîne. C'est un moyen peut-être de gagner plus d'argent en étant plus concentré dans son travail, en essayant de monter les échelons, en ayant de l'énergie justement pour le faire. C'est un moyen d'être bien dans sa peau. J'ai quelqu'un qui vient rentrer dans le programme qui m'a dit, et j'ai beaucoup aimé, moi j'ai des kilos qui ne m'appartiennent pas, c'est pas moi, ce sont pas mes kilos, ce sont des kilos qui m'embarrassent, c'est pas les miens, je veux m'en débarrasser. Donc c'est ça en fait, quelle est vraiment la mission, et ça on en parlera vraiment dans une autre vidéo. Je vais me concentrer un petit peu plus là-dessus pour que vous puissiez justement travailler sur cette mission. Et là, et à partir de là, une fois qu'on a cette mission, on ne parle plus de motivation, il n'y a plus besoin d'être motivé derrière, puisque j'ai une vision en fait, tout simplement, qui est ma mission de vie, et à partir de là, c'est facile de mettre en place les choses. Et si j'ai des choses à mettre en place, eh bien, au niveau de l'entraînement pour perdre du poids, pour être mieux dans ma peau, pour être plus fort, pour avoir plus d'énergie, pour être plus concentré, tout simplement, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Perdre 5 kilos, pour perdre 5 kilos, personne ne fait ça, ou alors on va le faire 2-3 jours, puis après on va vite abandonner. Donc, c'est important d'avoir vraiment cette mission de vie, c'est vraiment le point de départ. Et après, par rapport à ça, on peut déterminer, par rapport à ma mission de vie, combien de kilos, en fait, j'ai vraiment à perdre, parce que c'est 1, 2, 3, 10 kilos à perdre. Et là, effectivement, le programme 66 cible s'adresse vraiment à des personnes ayant 5 kilos à perdre. L'objectif, c'est d'aller chercher vraiment ces 5 kilos, puis surtout d'aller chercher de façon un peu localisée au niveau des fessiers, des adducteurs, des triceps, et puis au niveau du ventre. Ensuite, ce qui est intéressant à se poser, c'est la vision. Une fois que j'aurai perdu ces 5 kilos, comment je me sentirai? Comment je vais me sentir? C'est important de se projeter. Je vous invite vraiment à vous projeter. Une fois que j'aurai perdu ces 5 kilos, comment je vais me sentir? Comment je me sentirai dans mon travail, au niveau de mes proches, au niveau de ma famille, comment je me sentirai aussi dans la tête. C'est important de comment ça va se passer, comment ça va se passer pour ma garde-robe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus, est-ce que je vais pouvoir bouger plus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes enfants, avec ma famille, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi moi-même. Donc c'est important de se projeter, ce que j'appelle un petit peu la vision, et ça on en parlera aussi un petit peu plus vraiment en détail. Après, ça va être le temps. Si vous avez déterminé que vous avez 5 kilos à perdre, en combien de temps vraiment je dois et je peux les perdre? C'est pas en combien de temps je veux les perdre, parce que quand on a 5, 10 ou 15 kilos, on veut toujours les perdre en 15 jours. C'est normal. Le seul problème, c'est que vous en doutez bien, ça ne marche pas. Donc en combien de temps je dois ou je peux les perdre? Souvent, comme je dis toujours, une perte de poids, c'est entre guillemets 1 kilo par mois. D'accord? Si on a déjà perdu beaucoup de poids, peut-être que les 5 derniers vont prendre un petit peu plus de temps. Donc par rapport à cet objet brillant que j'ai lancé, est-ce que vous allez perdre 5 kilos avec ce programme? Je ne peux absolument pas répondre à cette question parce que ça dépend d'énormément de facteurs, de votre niveau de forme, de vos antécédents sportifs, de votre métabolisme, de l'engagement que vous allez mettre en place. Ça va dépendre de combien de boutons, sur quel bouton vous allez appuyer pour justement vraiment perdre du poids. Donc peut-être que vous allez perdre 5 kilos, c'est possible.
Je pense que c'est un max en 2 mois. Si vous êtes dans une phase d'attaque, c'est possible. Je viens de terminer une phase d'attaque là ici avec un des membres du programme 66. Une phase d'attaque, c'est quelque chose où on va vraiment booster les choses. On va en demander un petit peu plus. Eh bien, tout simplement au corps. On va demander au corps. On va lui en demander tout simplement un petit peu plus. Donc, on va sortir un peu de sa zone de confort. Il faut le faire. Ça, on peut le faire quand l'organisme est vraiment prêt, surtout quand il n'est pas stressé, quand tout va bien. Et là, on peut lui demander un petit peu plus, on va lui demander un petit peu plus au niveau de l'entraînement, on va lui demander un petit peu plus au niveau des actions vraiment à mettre en place. Et une phase d'attaque, c'est quelque chose qui est très très court, ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois, et après, il faut revenir à la normale, sinon, on tombe comme dans le travail, on tombe en burn-out. C'est pareil, il y aura un entraînement, il y aura une sursollicitation un petit peu de l'organisme, et dans ce cas-là, il faut mettre le frein. Donc, c'est possible. Ça va dépendre bien sûr de où vous en êtes, dans ce que j'appelle le pain, phase de préparation, phase d'attaque ou phase de stabilisation. Donc peut-être que vous allez perdre 1, peut-être que vous allez perdre 2 kilos, peut-être que vous n'allez pas perdre du poids, mais peut-être que vous allez vous affiner aussi. Ça, c'est possible aussi, puisque on reste quand même aussi avec un bon renforcement musculaire fonctionnel dans ce travail. Et puis en plus, si à côté, vous avez aussi, puisque vous pouvez combiner ce programme avec forcément le sport que vous faites à côté, si votre activité sportive est orientée sur le renforcement musculaire, forcément, ça va jouer sur la densité, et donc pas forcément sur la balance, mais ça va jouer sur la composition corporelle. Donc il y a plein d'éléments sur lesquels je ne peux pas répondre. Il y a beaucoup de facteurs en fait ne me permettant pas en fait tout simplement de répondre à cette question: combien de kilos vous allez perdre. C'est le chemin en fait auquel je vous dirige. Moi, c'est un programme pour vous si vous avez 5 kilos à perdre. Et puis vous allez peut-être perdre 2 kilos, et ce qui sera intéressant derrière, eh bien, c'est justement de pouvoir continuer le travail avec peut-être un programme différent. Mais le chemin est toujours là, on a vraiment la vision des choses, on sait qu'on a ces 5 kilos à aller chercher. Et c'est ça en fait qui va être vraiment intéressant. Et là, en plus, c'est facile parce que je vous mâche tout, vous avez vraiment un programme fait pour aller chercher les graisses localisées sans stress. Et ça, c'est important parce que souvent, les graisses localisées, si on veut les chercher dans le stress, eh bien, on n'arrive pas à les déloger. Parce que c'est déjà une inflammation, c'est déjà en fait un stress. Et là, ce programme, vous allez pouvoir vraiment le suivre. C'est assez facile vraiment à suivre. Et vous allez voir qu'on n'est pas cassé, on n'est pas courbaturé. On peut mettre vraiment en place de la fréquence, c'est-à-dire ces 3 entraînements par semaine. Et donc, on a quelque chose très doux. C'est vraiment très doux au niveau de l'organisme. Et avec un protocole vraiment bien spécifique, justement, pour aller chercher ces graisses vraiment de façon localisée, avec un bon renforcement musculaire, avec un entraînement fonctionnel, avec un peu de cardio ici derrière, et puis forcément avec quelque chose de ciblé. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cet objet brillant, surtout n'hésitez pas. C'est important de s'accrocher à sa mission, à sa vision, d'être au clair sur comment ça va se passer vraiment dans le programme et ce que je dois mettre en place. Là ici, moi je vous donne vraiment un protocole vraiment tout fait. Vous allez pouvoir accéder également à tous les autres boutons, c'est-à-dire comment je vais vraiment, quelle est la réalité en fait au niveau de la perte de poids localisée, comment je vais pouvoir chercher, ces graisses rebelles, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place à côté, en plus de l'entraînement, en plus de la nutrition, puisque la nutrition, on va en parler également bien sûr dans ce programme. C'est pour ça que je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. On va pouvoir discuter bien sûr de tout ça. On va pouvoir discuter également de la planification, et vous allez donc au sein des différentes masterclass vraiment comprendre comment ça se passe, la perte de poids localisée. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le lien bien sûr du programme au-dessus ou en dessous. Cet objet brillant, venez chercher ces 5 kilos de graisse de façon localisée. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.